Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé pour ce mois de juillet qui est pas trop mal. J'ai eu pas mal d'abonnés, donc je vais commencer cette vidéo par les remercier parce qu'effectivement une dizaine d'abonnés c'est toujours mieux que rien. Et j'encourage vraiment à continuer, ça, c'est vraiment génial. J'adore la chaîne, je prends vraiment du plaisir à la faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Pour le guide de survivalisme, de ce mois-ci, qui a quand même relativement bien marché, qui quand même, je veux dire, il y a... Alors, c'est une petite chaîne, hein. Quand je dis ça a bien marché, c'est par rapport aux statistiques globales de la chaîne. Donc ça a bien marché, ce qui me rassure aussi, parce que c'est un épisode qui m'a fait galérer, puisque bah, des fois il y a des choses que vous imaginez, vous pensez, et quand vous filmez, bah, ça rend pas les choses bien. Donc ça, c'est, des fois, c'est parfois problématique, vous avez une idée, si ça marche pas, ça vous déçoit, vous rentrez, vous réfléchissez, on refait le lendemain. Je sais pas combien de rages j'ai fait pour ce guide de survivalisme. Donc c'est vrai qu'il est, il n'y a pas beaucoup de techniques dedans. Il y a beaucoup de paysages, de trucs. Pour la deuxième partie, je ferai un peu moins de décor, on va dire. Je ferai vraiment un peu plus les sujets techniques. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est faire une vidéo juste avec les techniques, ça ne m'intéresse pas non plus, parce que j'aime beaucoup faire le montage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je joue aussi sur la musique, vous avez pu remarquer, des fois je joue beaucoup sur la musique. Je suis musicien, enfin, mais très longtemps, je veux dire, la musique, c'est aussi quelque chose qui est très important dans ma vie, donc forcément faire un montage sans musique. Ouais, moyen. J'en ai essayé, vous allez voir, vous allez sentir la différence. À vous de me dire donc, si ce que vous allez en penser, c'est bon, hors dehors, mais voilà, des fois j'aimerais éviter mettre musique, mais faire un montage et avoir une vidéo qui est froide, c'est intéressant pour moi dans mon âge. Donc voilà. Mais ce que je vais essayer pour la deuxième partie la deuxième partie, le voyage vers l'inconnu, je ferai plus technique, il y a un moins de décor, il y en aura forcément, mais il y aura plus de technique, il y aura pas mal de choses à dire aussi. Ça sera pour septembre, parce que le guide du survivalisme au mois d'août est déjà en ligne, mais vous devez attendre jusqu'au 15 ou 18. Maintenant, je ne sais plus. J'ai tellement fait une rush, j'ai tellement fait une vidéo que je ne sais plus moi-même. Donc voilà. Le guide du survivalisme du mois d'octobre sera aussi à hors série. Parce que celui du mois d'août, c'est aussi à hors série. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Et je dirais même que celui-là du mois d'octobre sera à hors série, des hors série. Voilà, après novembre, décembre, il va falloir vraiment que je réfléchisse et je trouve une idée de quoi faire. Si j'arrive à faire la vidéo en septembre, même, ça serait pas mal. Parce qu'effectivement, novembre, décembre, il y a des choses qu'on peut faire. Et des choses qu'on ne peut pas faire aussi forcément. Donc, c'est pour ça que le guide du survivalisme, voyage vers l'inconnu, j'en profite quand il fait beau, c'est toujours mieux. Voilà. Aussi pour le mois d'août, vous verrez, en 1er août, il y aura une vidéo vlog qui sortira, qui est déjà prévue, qui explique déjà dans cette vidéo ce qui va se passer au mois d'août. Je ne vais pas faire, je ne vais pas répéter deux fois, mais à savoir juste que pour le mois d'août, ça sera assez soft quand même. En sens où pas mal de monde sont en vacances, vous allez me dire au mois de juillet, il y a aussi pas mal de gens qui sont en vacances. Mais enfin, voilà, mois d'août, voilà, c'est peut-être mieux de rester entre amis, en famille, sur une terrasse et en barbecue, plutôt d'être enfermé à regarder les chaînes YouTube. Je dis ça moi-même, mais
Et puis même aujourd'hui, il y a cette connerie qui existe. Mais n'importe où, on va mettre du réseau. On commence à avoir du réseau n'importe où. On a des batteries. Alors bon, moi j'utilise pas beaucoup, mais c'est surtout pour la musique. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que. Ce que je veux dire, c'est que même si vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez quand même voir. Les chaînes YouTube, quand même regarder YouTube. Bon, à la limite, moi, vous regardez mes vidéos, vous êtes en famille, à la limite, vous en parlez à vos amis, à vos familles. Moi, ça peut quand même faire des abonnés. Au contraire, à la limite. Mais c'est vrai que passer du temps en famille, du temps avec les amis, c'est important. On ne sait pas combien de temps les gens qu'on aime seront avec nous et seront présents. Profiter au mieux du peu, autant faire ce peu des gens qui nous sont proches, des gens que nous aimons. C'est important. C'est important parce que le regret est dur à porter. Quand une personne disparaît, machine arrière, c'est encore plus compliqué que ça ne l'est déjà. Donc voilà, bon, pour le mois d'août, il n'y aura pas de grosse vidéo si ce n'est le guide sur le survivaliste. Et on reviendra au mois de septembre avec mes vidéos un peu plus techniques, un peu plus survie, parce que pour moi, vous allez voir, c'est vraiment des contraintes. Aussi, surtout, et ça j'insiste sur le fait, voilà, j'aime beaucoup lire les guides, les manuels de survie, beaucoup regarder les vidéos de survie. Mais ce qu'il y a un moment, c'est qu'il faut aussi arriver à se détendre et à se relaxer. Et donc, c'est pour ça aussi que je fais des fois des vidéos diaporama, permaculture, avec une musique calme, cool, pour justement apprécier l'autonomie sans prise de tête. Parce que, alors c'est pas une prise de tête, la survie, l'autonomie, l'effondrement économique du bordel, c'est pas forcément une prise de tête. Sauf, il y a un moment où on a besoin aussi de décompresser, de dire. Bon, maintenant, stop, je fais une pause, je regarde autre chose. Moi, je fais des fois beaucoup de survie, et puis après, je regarde un film, un oui, funèse, il n'y a rien de mieux. Et donc, et c'est pour ça aussi, bon, je fais des vidéos un petit peu tranquille, tranquille, on se prend pas la tête, regarder la vidéo. C'est agréable à l'œil, c'est agréable aux oreilles. Donc, voilà. Il y aura surtout ça au mois d'août, en fait. Ce sera surtout les paysages, les balades, tout ça. J'insiste, il y aura beaucoup plus de nature qu'au début. Parce que pour moi, c'est survie, nature, c'est pareil, c'est normal. Voilà. Donc voilà. Et après, ouais, bon. Bah, je crois, oui, bah, j'ai dit. J'ai tout dit, donc voilà. Pour moi, je vais bon, merci aux abonnés qui sont venus rejoindre notre communauté. Je suis très content, vraiment, je suis très content de faire cette chaîne. J'aime beaucoup les. Quand je fais le montage, pardon. Quand je fais le montage, les guides de survivalisme, quand je monte, je me rappelle du chemin qu'il y a eu sur cette chaîne. Vraiment, je suis fier, je suis fier. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est un bon début, c'est un bon commencement, et vraiment, merci à vous. Et moi, je vous souhaite de bonnes vacances, et dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ciao, les amis.